À la requête du parquet de Flandre Orientale, division Terre-Monde, la police nous demande de diffuser l'avis suivant. La police est à la recherche de 7 individus. Il est suspecté d'avoir commis au moins 11 attaques sur des employés qui allaient déposer les recettes de leur commerce à la banque en début de matinée. Ces vols violents datent de 2013 et 2014, mais les enquêteurs n'excluent pas de lier de nouveaux faits à cet homme. L'auteur dérobe les sacs et les enveloppes qui contiennent l'argent que les employés transportent sur elles. Les victimes sont attaquées en rue, en chemin vers la banque ou dans l'établissement bancaire même alors qu'elles sont occupées à réaliser leurs versements. Le jeune homme fait alors usage de violence et dans plusieurs cas, il utilise un spray au poivre. Une fois que l'argent est en sa possession, il prend la fuite, tantôt à vélo, tantôt en voiture. Il agit probablement seul, il prend son temps et il est bien préparé. Il a ainsi agi à Maasmechelen, Tongres, Aarschot, Herentals, Vilvoorde, Termonde, Alost, Ninove et Zottegem. Mais il est certainement lié à Bruxelles aussi. Il agit avec des voitures volées à Krenem et à Molenbeek-Saint-Jean. Les plaques utilisées sur les voitures volées proviennent également de la région bruxelloise. L'auteur est âgé d'environ 30 ans. Il mesure 1,75 m et est de corpulence athlétique. Il a un visage rond et des cheveux foncés coupés courts. Selon certains témoignages, il s'exprime dans un néerlandais imparfait et selon d'autres, il s'exprime plutôt en français. Si vous reconnaissez cette personne ou si vous avez des informations sur ces faits, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800 30 300.